Et nous sommes... Waouh, ok. C'est en pleine nuit. On est mal en point. C'est vrai que la dernière fois on avait... me rappelez pas qu'on a loupé plein de lapins. Ce 76% va me hanter, je crois, jusqu'à la fin de mes jours. Enfin bref. C'est vrai qu'on avait loupé pas mal de lapins. J'étais en train de penser, en fait, pendant que je commençais. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on ne devrait pas aller faire plus de têtes de flèches? Je suis en train de me demander si on ne devrait pas aller en faire plus. Vu que maintenant on a un arc, à la limite, on peut se défendre. Ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, ça serait quand même bien chiant de retourner là-bas. J'ai vraiment pas envie d'y retourner. En plus, ça va durer un long moment. C'est un peu embêtant, on va dire. C'est un peu embêtant. Bref, nous sommes... du coup, nous sommes soignés, hein, parce qu'on s'était... on s'était démantelé tous les os du corps, et du coup, on avait quelques problèmes. Ça faisait un peu mal. Maintenant, ça va mieux. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc, nous allons... 24 kilos, très bien. Enfin, 25 exactement. Nous allons nous balader. Nous allons nous balader. Je pense qu'on va... Parce que ça commence à être un peu... L'état, en fait. Commence à être assez usé, 56%. Et pour les réparer, il faut du cuir séché. On n'en a pas beaucoup. J'ai envie de le garder, le cuir. Donc je pense que la prochaine chose qu'on fait, qu'on craft, c'est les bottes. Je pense. Je dirais que ça serait la chose la plus logique. Parce que c'est vrai que quand on y pense, en fait, pourquoi faire des vêtements en peau et tout ça? Alors je sais que les gens m'ont rappelé qu'il faut des peaux et tout pour les réparer. Mais en fait, une fois qu'on arrive à un certain degré de... Si on sortait aussi. Si on sortait. À un moment où qu'on arrive à un certain degré de d'équipement... c'est pas ça que je voulais faire. Trop bien. Voilà. On arrive à un certain degré d'équipement avec l'arc et tout ça. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin. On n'a pas vraiment besoin de... Je suis en train de regarder mes touches parce que ça fait un petit moment que j'ai pas joué en fait. Donc excusez-moi. Ok, cool. On peut aller chasser, on peut aller récupérer les peaux très très facilement. Genre que ça soit loup, que ça soit cerf et tout ça. Le problème, on va se baisser. Oui, on va se baisser. Elle est où la porte? Elle est complètement à gauche, c'est pas grave. Le problème, c'est juste le temps qu'il faut en fait. Voilà, tout simplement. C'est juste le temps qu'il faut pour sécher les peaux. Donc il faut... Genre si jamais on change de zone... Ouh, c'est joli. Si jamais on change de zone... Oh, il fait pas froid non plus. Qu'est-ce qu'on devait faire cuire? Il y a ça à faire cuire, lande de viande, quoi? Qu'est-ce que je raconte? Morceau de viande, ok, il y a ça. Est-ce qu'on a besoin de la peau? Yes. Tu vas me dire, c'est pas froid, donc à la limite, pourquoi pas, quoi. À la limite, prenons-la maintenant. Quoique non, j'ai fait une erreur. Non, honnêtement, j'ai fait une erreur. Putain, chaque fois je le fais. Ce que je veux faire, c'est me balader dans la forêt pour essayer de récupérer les flèches qu'on a perdues. C'est ça que je veux faire surtout. Donc on va faire ça. La peau, elle est là, quelque part, elle est ici. Donc oui, je pense que voilà, c'est pas très grave en fait d'avoir des vêtements en peau. Après, on m'a dit que normalement je trouverais assez de balles pour pouvoir monter tout et n'importe quoi. Genre le pistolet, le revolver et le fusil, donc ça devrait aller. J'étais en train de me dire, on peut avoir deux. Ah oui, non, comme ça. Enlever. Yes. Ok. D'accord. Donc on peut en avoir deux. Donc ça aussi, j'ai peut-être envie d'en avoir deux. Vu qu'on peut le mettre sur les deux côtés, on est d'accord qu'on n'est pas restreint à ça. Donc on pourrait en faire un deuxième.
On pourrait en faire un deuxième. On pourrait faire plein de choses comme ça. Donc ouais, on y va. Voilà, il fait encore beaucoup plus sombre. C'est vraiment bien d'avoir fait ça. Notre but... Alors je sais que j'avais dit que je devais faire du feu et tout ça pour cuire des machins. On va le faire. On va d'abord attendre que le jour se lève si jamais on peut avoir un feu gratuit. Je crois que le plus gros but là, ça va être de se balader. Est-ce qu'il l'a bien mis la flèche? Non, mais à chaque fois il l'a armé de toute façon. Le but va être de trouver les flèches quoi manquantes. Je me rappelle plus ce qu'on avait attaqué la dernière fois. On avait attaqué quoi? Des loups? Je me rappelle plus. Deux flèches. Il manque deux flèches, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il nous manque deux flèches. Et là, on a un beau temps, donc on va se balader. On va voir si on peut pas... Si on peut pas trouver... les loups morts. Alors, un truc... Une chose qui pourrait être pas mal dans le jeu, et je crois que ça se porterait bien... Alors, faut pas que ça soit trop OP non plus. Alors, attention. Ça serait traquer les animaux. Mais même après genre après un jour, deux jours, qu'on puisse quand même un peu les traquer. Non, ça c'est un loup vivant, ça. Ça c'est un loup vivant. Ah, merde. Alors, peut-être qu'il est pas mort. Hein. Peut-être que la flèche est tombée. Hein. Tu veux jouer, c'est ça? Ok, on va jouer alors. On a le temps, de toute façon, il fait très beau. On a le temps, vas-y, viens, ramène-toi. Allez, viens ici. On rentre à la maison. Et on va te tirer des flèches à la maison, ok? Ça marche? On va jouer à la... C'est un peu comme la balle. Sauf que les balles, elles sont plus fines. Et il faut que tu les attrapes avec ta tête, avec ton front surtout. Ce serait vraiment cool. Ok, tu viens, c'est bien, c'est cool. Donc peut-être genre un skill qui permet de... qu'on peut monter en fait, petit à petit. Genre traquer les animaux, genre voir les traces dans le sol. Attends, il n'y a pas de aboiements quand même. Non. Donc je pense que ça serait bien. Alors je sais qu'on peut le faire de base, genre quand un animal s'enfuit et tout ça. Mais j'avoue que, bon, bah, une fois qu'on a laissé passer la nuit et des choses comme ça, c'est quasiment impossible. Enfin, il n'y a plus de traces, quoi. Donc, c'est un peu embêtant. Ça y est. Ah, tu suis toujours? Tu vas remplacer ton pote qui était là. Tu vas me perdre. Dépêche-toi. Dépêche-toi, tu vas me perdre. Eh, c'est l'heure de vérité. Oh oh oh. Ah merde, il m'a mangé le morceau de viande. Saloperie. Je vais être honnête. Je vais être honnête. J'ai l'impression que ça n'a pas vraiment touché la tête. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que ça... Ça n'a pas l'air d'avoir vraiment touché la tête? Mais bon, est-ce qu'on va s'en plaindre? Non, pas vraiment. Surtout ça que je voulais en premier. Est-ce qu'on peut se réchauffer? Est-ce qu'on peut se réchauffer? Par contre, je vais peut-être récupérer de l'eau. On n'a plus trop. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. On peut réparer dans le noir, on est d'accord. Genre ça... Ouais non, ça non. Ça, on peut que le porter à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc le bonnet, faut qu'on le garde.
Non, on peut pas réparer. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le noir déjà? Je me rappelle plus. Putain, j'ai vraiment des problèmes de mémoire, moi, c'est chaud. Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourrait casser des choses dans la maison. On peut faire ça. Attendez, il n'y a pas des trucs, genre faire des morceaux de bois là, des petits. Pour démarrer les feux. On a déjà 7, ça sert à rien. Que le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vie. Et si on continue comme ça, parce qu'on va devoir. Je voudrais bien enlever la peau. Ou alors les boyaux, quand même. Ah, aiguisé. Je voudrais bien. Ouais, je voudrais bien faire ça quand même. Donc du coup. Donc du coup, c'est un peu embêtant. On fait de la ASMR. On fait de la ASMR. Le couteau sur le. Sur le, la pierre à aiguiser. Merde, j'ai pas regardé les pourcentages. On est à combien? Ok, 90%. On l'a fait un peu trop de fois même. J'étais réchauffé. Enfin, attends. Ok, je pensais que ça durait un peu moins longtemps quand même. Désolé, c'est pas ma faute. On a perdu du temps. J'espère qu'il fait pas. Il est où le. Il est là. Ah! Plume. Plume. Et plume. Merci. Tu vas. C'est bon, let's go. Pendant que la carcasse est pas gelée, 36 à la main. Est-ce qu'on prend les boyaux? Je pense qu'on va prendre les boyaux aussi. Parce que c'est vrai qu'on commence à en pas en avoir beaucoup. Genre 1. Ok, trop. Trop, trop, trop. Ouais. Je pense que je vais devoir faire quelque chose que j'aime pas du tout faire et que j'évite la plupart du temps. C'est de passer du temps parce qu'elle est pas fatiguée. Donc ce serait passer du temps. Et après dormir. Parce que là, elle peut pas faire grand chose. Et en plus, il fait noir. En plus il fait noir donc on peut pas crafter. Alors peut-être qu'on peut peut-être crafter quand même. Il va faire jour dans pas très longtemps donc on peut peut-être crafter. Non, non. Alors fais voir un peu. Chop. 06. 09. Parfait. On a récupéré. 800 et quelques calories. Très bien. J'ai envie de prendre une... comment ça s'appelle? Ouais, on va aiguiser encore, ça fait passer le temps ça quand même. J'ai envie de prendre une tisane pour augmenter notre taux de récupération de vie. J'ai envie de prendre ça. Mais je suis en train de me dire, on a assez de ressources, on peut laisser passer des jours quand même. Donc bon, ça serait peut-être du gâchis. Faudrait, parce que c'est très rare, honnêtement c'est super rare. Donc je pense qu'il faudrait la garder. Attendez, pour l'instant on va plus la poser par terre. Après, je rangerai demain. Je dirais qu'il faudrait le garder pour des trucs dangereux. Fais voir, attends, étagère. Oh putain, je vois rien. En plus, elle regarde penchée, quoi. Il est où, le truc sur le mur? Il est là. On en a une seule. Et je crois qu'on peut en faire une. On a le matériel pour en faire une de plus. Ah, elles sont là, les massettes! J'avais oublié. Elles sont là, les massettes. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire?
pas assez réchauffé. Je vois strictement rien. On peut utiliser la lance tempête. La... ok. la... putain de merde. La lampe tempête pour s'éclairer et crafter. On pourrait faire ça, mais ça serait aussi du gâchis. Donc, je pense qu'on va voir si on peut récupérer le dernier boyau. Putain, ça va être chaud quand même. Elle est pas assez... Il faudrait qu'elle soit à fond. Juste pour être sûr. Puisque si le temps change, on est dans la merde. On va en crever. Haha. Oui, on peut en faire un. C'est embêtant, c'est très très handicapant d'être comme ça. C'est très 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 handicapant. Parce qu'on n'est pas fatigué. Le pire, je crois, que dans le jeu, c'est quand t'es pas fatigué et que t'as la vie basse. Ouais, ok, d'accord, non. C'est bon, j'ai compris. Après, pour faire un feu, maintenant... Elle est pas méga fatiguée, on fait un feu. Non, j'ai pas envie de me... Honnêtement, j'ai pas envie de me... De faire des allers-retours bancals avec le cœur qui bat là tout le temps. Ça va me rendre fou. Ça va complètement me rendre fou. On va aller dormir un peu, parce qu'elle est... On peut peut-être dormir quelques heures. Et là, peut-être qu'on va faire du feu. On va dormir 2 heures. 2 heures? 3 heures? Il est où le... Là, il est où le lit? Il disparaît. Sinon, ça se passe bien. On a quand même pas mal de choses. On a du bon. On a du très très bon. On a plein de viande de loup, là. Honnêtement, je voudrais bien qu'on arrive au niveau max. Comme ça, on peut manger toute la viande. On peut manger toute la viande de loup. Parce que... Pff, on en a tellement. On en a tellement. Ah, starving. Vas-y, dis-moi qu'il fait soleil. Oh, quoique non, c'est trop tôt encore. Pour décider. Attends. Ouais, on est protégé du vent. C'était quoi ma touche pour faire du feu? C'est pas du tout ça. Bref, comme ça. What? Yes! Oh non, elle va pas pouvoir. Attendez. Ah bah si, si, la porte, elle est là. Si, 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 si. Mais c'est énorme. Attends, comme ça, comme ça. Attends, il y a du vent là ou pas? Non, c'est bon. Merde, attends. Attendez, on est en panique, on est en panique. Est-ce qu'on a du bois, du petit bois? Non, on a... Oh putain, on a pas de petit bois. Ça me chie. Alors là, faut se bouger le cul, par contre. Parce que là, on peut le faire. Ah, est-ce que j'ai du bois en haut? Lève-toi, lève-toi. Est-ce que j'ai du petit bois en haut? Normalement, oui. J'en ai toujours, normalement. Ah, on va passer la journée à faire du feu. Ouais, on va journée à cuire. Non? Oh putain, on a plus de... Je sais pas si on en a beaucoup. Je suis en train de me demander si on en a beaucoup ou pas. Ah, on va faire de l'eau. Ah bah désolé, mais ça va être la journée. Alors je sais que c'est sombre, on voit rien, c'est chiant, mais hein, on peut pas faire autrement. On va faire la journée feu, hein, on va faire la journée cuisine. Aujourd'hui c'est la journée cuisine, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui nous allons préparer un très bon festin au loup. Si on arrive à faire un feu. Dis-moi que ça a pas changé. Yes. Yes. Let's go. Yes. Aujourd'hui, nous allons faire un festin loup. Et loup-lapin. Loup-lapin mélangé. On va rentrer la viande de lapin dans la viande de loup. D'accord, pas mal ça. Oh non, me dis pas qu'il n'y a plus de lumière. Non, c'est pas ça. Ok. Ça va alors. J'ai cru que... En parlant de ça, sans déconner, je crois que j'avais vu un truc, c'était quoi? C'est un plat américain. C'est genre du poulet dans de la dinde, ou un truc comme ça.
C'était très très bizarre. Il faudrait que je regarde si... Je me rappelle plus exactement ce que c'était. C'était de la viande dans de la viande en fait. Je suis pas contre le... Je suis pas contre le principe, hein, mais c'est quand même étrange. C'est quand même assez étrange. Est-ce que la torche va tenir? Oui, la torche va tenir. Faire du feu. Let's go. Donc du coup, bah ça se goupille bien, hein, ça se goupille bien ce qu'on est en train de faire. On est en train de perdre du temps. On est en train de... on a tué un loup, on a... Voilà, on a fait... Voilà. On va faire un résumé. On a abattu un loup, on a récupéré sa peau, on a récupéré les boyaux de l'autre qui traînait aussi. On a récupéré la peau du nouveau. On a récupéré la peau du nouveau? Oui, oui, oui. Et on a récupéré la viande. Donc du coup, on a plein de viande. On a plein de viande. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On va récupérer les morceaux de viande. Ça fait vraiment plaisir. Honnêtement, ça fait plaisir. Alors la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Je me rappelle plus exactement de notre processus. C'était... Non, attendez, on va peut-être faire le lapin d'abord. Notre processus, c'était quoi? C'était on craft... Non, non, c'était... On met deux morceaux de viande. On sort, on crée un feu. Et on craft, c'est ça, je crois. Je crois que c'était ça. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus exactement ce qu'on faisait. Je crois que c'est ça. J'utilise des combustibles. Yeah. Yeah, 5 heures. On va d'abord faire ça. Parce qu'on va le manger directement en 23 minutes. Ouais, très bien. Prendre torche. On va aller créer un feu. On est monté au niveau 2 aussi. Hein. On est monté au niveau 2. Donc on va regarder vite fait ce que ça fait le niveau 2. D'abord on va allumer ça. J'ai pas de petit bois. J'ai pas de petit bois. C'est très très bien. Désolé, on passe du temps à regarder les temps de chargement. C'est vraiment cool. I need anything right now. Let's go. On va peut-être faire le poisson aussi en premier. Enfin après les lapins. Car le poisson, comme j'ai dit, le poisson c'est pas vraiment quelque chose que vous gardez de côté. Enfin sauf si vous traînez ici. Hein, parce que bon là on bouge pas. On bouge pas. Donc à la limite ça passe. Mais c'est vrai que le poisson, bah vous le faites cuire, vous le mangez direct. Parce que c'est pas des rations à prendre sur vous. Donc je sais pas. Come on. Je sais pas si on le mange direct. Je dis ça parce que il va falloir manger. Il va falloir manger. Car elle est très très basse en vie. Et j'ai pas envie de d'être bancal pendant tout le long qu'on cuisine. Sinon ça va me rendre fou. Prêt dans 3 minutes. Ok, ça marche. Alors du coup, nous on va regarder. Alors... Allumage de... Les feux durent 10%. Plus de 10%. Et on a 55% de chance d'allumer un feu de base. C'est bien, c'est cool. C'est cool. La cuisine, faudrait vraiment augmenter la cuisine. Faudrait avoir la cuisine au max. Si on a la cuisine au max, honnêtement, on est... Oh, on est tellement bien, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas... Alors. Ah, très bien.
Il reste encore 45 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait crafter? J'ai dit qu'on faisait les bottes. On a assez pour les bottes. Un séché. Attends, ça tu bouges pas. Deux séchés. Je crois qu'on a assez pour les bottes. On peut faire les bottes. Je suis en train de me demander, c'est ce qu'on a. Est-ce que j'ai tout jeté tout à l'heure? Ouais, on a tout jeté. Ok, ça marche. Ah, voilà, c'était caché là, en fait. D'accord. Pour ça, je me disais, il manque des choses. Donc, 1, 2. Quatre. Merde. Ah non. Oh la déception. Oh la déception. On peut pas. Oh, je savais bien qu'il nous manquait des boyaux. Oh là, c'est pour ça que j'en ai pris. Qu'est-ce qu'on pourrait crafter en attendant? Des flèches à chaque fois? C'est 3. Hein. C'est 3? Je crois. On va voir la viande. Ah, ça m'embête ça. Je voulais vraiment commencer à crafter en fait les... Bah des vêtements en plus, tout simplement. On a encore 26 minutes. Alors 26 minutes, ce qu'on va faire, c'est ça. Torche. Ça, on détruit. On va récupérer les petits bouts de bois, c'est pour ça. Ça aussi. Ah, très bien. Celle-là, on la garde. Prendre torche. Parce qu'on prend des torches qui ont... Allez, dans les 30% par là. Donc quand elles descendent en dessous, on les casse. On les casse vraiment. Ce que je voulais faire aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut nous faire des fagotins. Ah, c'est embêtant, donc on peut pas... Ah mince, on peut pas faire les bottes. Ça m'embête, ça. Je pensais vraiment qu'on... faire les bottes. Perfect. Il fait beau en plus. Il nous faut vraiment... Il faut qu'on reparte à la chasse aux lapins. Je pense que la chasse aux lapins serait le plus rentable et le plus simple à faire surtout. 14 minutes. Gauche. Il y a un loup juste là. Il y avait un loup juste... Vous l'avez entendu le loup? Il y en avait un pas loin. Je crois qu'ils ont remigré hein, ici. Je crois que ça y est, hein, on est plus tout seul maintenant. On n'est plus seul. Tu te fous de moi, on n'avait pas des plus gros poissons. On les a mangés, les gros poissons ? J'ai un gros doute. J'ai un très très gros doute si on les a mangés ou pas. Faut qu'on fasse de l'eau aussi. Faut que le feu il dure. Le feu il va durer très très longtemps. Il va durer jusqu'à la nuit au moins facilement. Je pense qu'on va manger aussi du loup. J'avais pas mis le poisson quelque part. On a tout mangé. Je
regarde s'il n'y a pas des, plumes en plus. Ah, j'en vois une, je crois. Il était où l'autre? Oh! Bah voilà. Il est là. J'ai envie de lui mettre une flèche lui aussi, mais le problème c'est qu'on est un peu occupé avec... Le problème c'est si je me loupe, on va devoir courir après. Ah c'est vrai que j'avais la viande ici. On va devoir courir après et du coup bah, ça va nous poser des problèmes. J'ai pas vraiment envie de... de courir après. Et sinon on va perdre encore une flèche. Donc c'est un peu emmerdant. Ok cool. Ça m'embête d'être décalé comme ça. 633 calories, très bien. Fais voir un peu... On est niveau 3, la viande. Cuisine, on est niveau 3. Aucune perte de calories quand vous forcez conserve, délai de cuisson, etc. C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a plus besoin, c'est ça. Honnêtement, j'en prends toujours un sur moi. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais même si on a, même si on peut forcer les trucs sans... Sans perte, j'en prends toujours hein, sur moi. Je sais pas pourquoi, je fais tout le temps ça. J'attends que la viande se finisse en fait. Il nous faut une pierre à aiguiser. On en a plus qu'une, mince. Il va vraiment falloir une pierre à aiguiser. Enfin, il va falloir en trouver, sinon on va être dans la merde. Ouais, on va être, on va avoir un problème. Attends, on va faire ça. Oh, on a plus d'eau quoi aussi, c'est abusé. On va avoir un problème pour les pierres. Je pensais qu'on en avait un peu plus de côté. On va faire de l'eau. J'ai dit on va faire de l'eau. Ok, très bien. Mange ça. On va d'abord déposer le la viande. Ça va être un peu embêtant, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait parler? On pourrait parler de quoi? On va se balader aussi. On va visiter. Mais on est un peu en, encore en mode... on est un peu encore en, mode équipement. C'est-à-dire qu'on est en train de crafter et tout ça. Alors là, il faut que l'eau fonde et après il faut qu'elle boue. Donc du coup, on a pas mal de temps... donc du coup, je sais que c'est un peu embêtant parce qu'on a des journées comme ça où on fait pas grand chose. Mais comme j'ai dit, si jamais ça vient trop chiant, vous me le dites. Et je couperai en fait. Et je jouerai de mon côté, je couperai. Mais c'est tellement aléatoire en fait, ce qui se passe. Au potable. Parfait. Parfait. On va refaire de l'eau parce qu'on va refaire la flèche. Parce que c'est aléatoire. Par exemple, là, j'avais vraiment pas prévu de faire ça. Et au final... bah ouais, au final, ouais.
Après, il y a une chose qu'il faut que je refasse, c'est les épisodes. J'ai dit que j'allais les faire, les épisodes, mais j'ai pas pris le temps. Dans un sens, j'ai envie de les refaire avec les nouvelles mécaniques. Parce que moi, j'avais fait les premiers épisodes. Je parle de l'histoire du jeu. Je parle de l'histoire du jeu. Je les avais fait avant qu'ils rajoutent la mécanique de faire à manger comme ça, là, manuellement. Et dans un sens, j'ai envie de les faire, mais je les connais déjà, donc ça risque de pas être très très amusant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Donc je suis en train de me demander, est-ce que je les refais vraiment? Ou alors je passe tout simplement sur l'épisode 3 quand il sortira. Je sais pas vraiment. Peut-être en stream, ça peut être plus drôle. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que je le fasse en stream. Attends, on va se baisser. Parce que vu qu'il y a un loup qui se balade. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que je le fasse en stream. Donc peut-être à la limite. Attends, le vent il souffle de la gauche vers la droite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une montagne en fait. Enfin, il y a une montée. Sur la gauche, donc on est... Ouais, voilà, ouais. On est protégé. Ah, très bien. Je sais pas pourquoi je me suis encore baissé. Donc ouais, peut-être en stream, on sait jouer. Man, I'm not sure I can carry much more. Bien. J'ai en train de me demander, est-ce qu'on fait pas un autre arc? Ah bah non, il faut des boyaux. Il faut des boyaux. T'es chi. Jeune bouleau séché. On peut faire des fûts de flèches. Par contre, les fûts ne donnent pas de... Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, poser l'eau. Les fûts ne donnent pas d'expérience? Point d'interrogation. Je suis quasiment sûr qu'ils donnent pas de point d'expérience. Voilà, on refait un peu le plein. On pourrait lire aussi, on peut lire. Minutes, on est en train de faire quoi, la viande? Ouais, non, il n'y a pas d'expérience. Je suis bien d'accord. Par contre, il faut que je regarde en dessous des pots, voir si vraiment il n'y a aucun boyau qui se balade. Merde, je suis pas allé prendre les nouvelles, les autres. On a bien fait hein, de couper du bois, hein, de couper les gros troncs la dernière fois. Vous avez vu, ça nous aide maintenant. Ça nous aide pas mal. Ça c'est cool. C'est vraiment cool. Ils peuvent pas mourir de froid les loups. Est-ce qu'un loup peut mourir de froid? Oui. S'il se met pas à l'abri. Encore deux morceaux et on a rien d'autre. Ouais, après on fera de l'eau. Ah, je suis deg. Je pensais qu'on avait autre chose. Je pensais vraiment qu'on avait autre chose à faire. Cet épisode que vous êtes en train de regarder, j'espère que je l'aurai sorti le samedi. Comme ça veut dire que vous en aurez un deuxième le dimanche. Sinon, bah désolé. Mais je vais essayer de faire ça, parce que c'est vrai que cet épisode n'est pas méga, méga intéressant du coup.
Ah oui, on m'a demandé quelle map je préfère. J'ai répondu, donc j'ai dit... je crois que c'est l'autoroute côtière pour moi. Parce que... Bah, l'autoroute côtière, en fait, c'est la zone avec laquelle je suis le plus familiarisé. Hein, vous avez compris. On va dire que j'ai passé énormément de temps là-bas. Et je connais plus ou moins tous les endroits. Et j'ai vraiment fait la map entière. Quand je parle de la map entière, c'est que... Genre, je suis monté dans les hauteurs et tout ça. Dans la forêt. Vraiment. Je la connais vraiment très très bien, cette map. Donc, je pense que c'est celle-là, la map préférée. Mais dans un sens, c'est ma préférée par défaut. Parce que c'est celle que je connais le plus. Je dirais. Je peux pas me perdre là-bas. Je peux pas me perdre. Donc... Donc voilà, je pense que c'est ma préférée. Après, il y a Milton. Milton a été rajouté plus tard, donc bon. Quand je suis resté là-bas, j'ai pas trop aimé. Parce que la ville, en fait, elle est petite. Alors, il y a beaucoup de choses à visiter. On ira, vous inquiétez pas, on ira à Milton. En plus, on peut y aller, on peut y aller très vite parce qu'on n'est pas loin. Parce que, où est-ce qu'on est là maintenant? C'est connecté à Milton. Bon, après, ça serait revenir. Ça serait un peu la merde de revenir. Ça, c'est une autre histoire. Mais j'ai pas... Non, j'ai pas aimé. Je peux pas dire que j'ai vraiment aimé, en fait. Parce que, comme j'ai dit, les villas, la ville principale avec les maisons, tout ça, c'est peu... Il y en a beaucoup. Bon, vous passez plusieurs jours à fouiller. J'ai passé plusieurs jours à fouiller. Mais après c'est très très chiant pour se déplacer, en fait. C'est extrêmement chiant. Donc j'avoue que c'est pas vraiment une map que j'aime. Genre, pour ceux qui connaissent Milton, vous voyez, quand vous descendez vers la grange et vous continuez après vers la glace, enfin c'est gelé et tout ça, c'est un lac, je crois. C'est peut-être un lac gelé, je me rappelle plus vraiment exactement. Genre, cette partie, elle est chiante, elle est pas... Il y a très peu d'endroits où se poser. Ah, j'aime pas. J'aime vraiment pas. J'aime vraiment pas. Donc du coup, on peut pas faire de flèches. Pourquoi on peut pas faire de flèches? Non, je les ai faites, les flèches, je suis con. On a fait les flèches. J'aurais bien voulu faire un autre arc. J'aurais bien voulu pouvoir faire un autre arc. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on on mangerait pas de la viande de loup? Est-ce qu'on ferait pas ça? Là, par contre, je peux rien crafter, quoi. Minutes. Ah, tiens, on peut faire du feu. On va aller faire du feu. Je crois qu'on va devoir manger un steak de viande loup. Je suis en train de me dire, peut-être qu'on aurait dû le manger en premier. Comme ça, les heures passent. Mais je crois que c'est 24 heures pour... Je crois que c'est 24 heures. Donc on va pas rester debout 24 heures. Je crois. Pour que ça passe, hein, le mal. Ah, peut-être parce qu'il y a plein de vent. J'ai bien envie de faire l'autoroute côtière, honnêtement, avant d'aller faire d'aller à Milton. L'autoroute côtière, il faudrait passer par où? Je crois qu'on y était à l'autoroute côtière. On n'a pas commencé par là? Non, je ne me rappelle plus exactement. Je crois qu'il faudrait retourner au barrage de Carter.
Je crois que c'est barrage de Carter. Et après... il n'y en a pas qui sont séchés. Et après, il faut continuer sur la droite du barrage de Carter. Il y a une zone à passer. Et... je crois que après c'est l'autoroute côtière. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus honnêtement. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des collets. Non, laissez tomber, j'ai rien dit. Les collets servent strictement à rien parce qu'il faut des boyaux. Pourquoi il faudrait des boyaux pour les coller? Il faudrait pas du fil plutôt? Ça, c'est un peu con, non? Attends, avant de faire ça, je voudrais faire ça. Oh, I could eat anything right now. La merde, on a rien d'autre. Apparemment, on a rien d'autre. Ouais, elle commence à avoir faim. Combien de temps pour réparer? Ah, d'accord. Lire les livres aussi, ça pourrait être intéressant, mais il faut passer au moins 5 heures à lire. Donc je sais pas si c'est vraiment très très intéressant. On va attendre que ça baisse un peu le feu après. Ça c'est fait. Ah, très bien. Voilà, voilà. Je pense qu'on va manger une viande de loup. Quoi qu'elle peut encore résister. Non, on va manger une viande de loup, mais... mais on va le faire quand elle... Putain, il fait pas froid. On va le faire quand... Je voudrais un peu m'aventurer un peu loin, mais... Mais on a un loup qui traîne, ça m'emmerde, ça. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Pour dormir, on mangera de la viande de loup pour dormir. Les massettes, elles repoussent jamais. Vous pouvez me confirmer dans les commentaires si les massettes poussent ou pas. Parce que j'ai l'impression que non, en fait. Vous avez remarqué aussi qu'on voit mieux sur les côtés. Ça, je sais pas si je l'avais déjà dit. Mais regardez, vous voyez la cabane? Là, on la voit bien, la cabane. Et regardez quand on se met là. Il y a une sorte d'effet... yeux de poisson, comme ça qu'on dit? Fish eye? Yeux de poisson? Ou c'est ovale, en fait, votre vue. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ovale. Et du coup, on dirait que c'est loin. Et on voit moins bien parce qu'il y a du brouillard. Mais si on se met comme ça, on dirait que c'est plus près. C'est plus gros. Et du coup, il y a moins de brouillard. Je sais pas si je l'avais expliqué ça, mais ça fait longtemps que j'avais vu ça, hein. ça fait depuis que je joue au jeu, en fait, c'est comme ça. Donc, si on prenait ça aussi, les têtes de massette, ça nous permet de faire du feu. Que je les jette à chaque fois, parce que... Mais, oh, il y a la... J'avais pas vu qu'on avait ça. Mais voilà, ça peut être pas mal dans des temps pourris, où vous voyez quasiment rien. Ça peut être bien, ça peut vraiment être pratique. Pour voir un peu plus. C'est un peu... Ouais, c'est un peu utiliser le jeu, j'avoue. C'est un peu jouer sur comment le jeu fonctionne, les graphismes et tout ça, mais... Mais ça peut sauver les vies aussi. Donc c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Ça
c'est pour les armes à feu. Ça, c'est le niveau avancé. 25 heures, hein, putain. Ah, ça, on l'a fini. Ça, on l'a fini. Je voudrais bien tous les lire, ces livres. Vous avez vu tous les livres qu'on a. Oh, mon Dieu. Je voudrais vraiment bien tous les lire. Pour augmenter tellement nos skills. Enfin, quoique... Oui, non, ça nous aiderait quand même. Fondu dans 12 minutes. Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Bah merde, attendez, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là on perd du temps, enfin on fait rien là. J'aurais bien... Ah oui non, mais ça va, j'ai rien. Ah oui, j'avais dit qu'on récupérait du combustible pour lampe aussi, quand... quand on faisait cuire les poissons. Je... Après c'est vrai que j'ai pas fait attention. Mais à chaque fois que vous cuisez un poisson, vous récupérez du combustible. Donc du coup c'est bien pour la lampe. C'est vraiment bien pour la lampe. On a encore une heure. T'es à combien de pourcent? On va peut-être te garder. Ça, on l'a lu. Faut ranger un peu dans la vie. Faut ranger quand même. Voilà. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de lire? Je sais pas. Comme j'ai dit, on a peut-être pas assez de nourriture. Parce qu'on a 4. On a 4 morceaux de viande de cerf. Seulement 4. Donc après, on a beaucoup de viande de loup. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Donc on va devoir faire attention. On peut pas gaspiller. Comme j'ai dit, une fois qu'on pourra... une fois qu'on pourra manger de la viande de loup, laisse tomber, quoi. Ce sera... On ne peut... Une fois qu'on sera en intrus, une fois que vous pouvez manger de la viande, de loup, n'importe quelle viande, sans être malade, je crois que c'est le moment où vous êtes complètement safe tout le temps. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps full. Parce qu'il y a tellement de loups dans les régions. Ou alors, même si vous trouvez un ours, vous imaginez le nombre... Ah oui, quand on va combattre l'ours aussi, ça aussi, faut pas que je fasse de conneries. Il faudra qu'on soit bien en vie. Il faudra qu'on soit au moins à 100%. 80 à 100%. Pourquoi? Parce que il va avoir énormément de sacs de viande. Ah, et de boyaux aussi. Donc les boyaux, ça va être cool. Mais il va avoir énormément de sacs de viande. Et on va mettre un temps énorme à se les trimballer ici. Et ça va être un problème. Ça va être un gros problème. Donc, à moins de bait, je sais pas comment, mais d'appâter le loup jusqu'à notre maison, je sais pas comment le faire, ça, par contre. Tiens, ça pourrait être un bon exercice, ça. Comment appâter l'ours jusqu'à chez nous, quoi. Vous voyez où il est sur la... Genre, ça, c'est chez nous. C'est ici. Je crois qu'il est par là, l'ours. Quand on l'avait vu. Comment le faire tout ça sans se faire bouffer la gueule? comment est-ce qu'on pourrait faire ça? À la limite, on pourrait l'utiliser là pour s'échapper un peu. Et après, on reste dans les montées comme ça.
Ou alors on reste à distance et il nous suit comme un loup. Je sais pas s'il fait ça. Je sais pas si... Je sais pas. Ouais, dites-moi dans les commentaires, ça pourrait être sympa. Est-ce que vous avez une façon... est-ce que vous pensez à une façon pour bait un... pour appâter un ours? Est-ce qu'on pourrait le faire, vous pensez? Est-ce que c'est possible? J'ai envie de prendre une tisane juste pour récupérer plus de vie, parce que c'est vrai que ça m'énerve d'être aussi bas en vie comme ça. Ça me fait vraiment... Yesh. On en a deux de réserve. On en a deux de réserve. On en prend une. Je pense qu'on va en prendre une pour dormir cette nuit. Je pense qu'on va le faire. Par contre, est-ce qu'on fait un peu plus d'eau? Je crois qu'on va devoir faire un peu plus d'eau. On va voir ça. On va avoir encore 4 litres là. Est-ce qu'elle est encore... Elle est pas vraiment fatiguée. On commence à être la nuit. J'en ai peut-être trop mis. Ok, très bien. On commence à être la nuit. On va se réveiller en plein milieu de journée. C'est pas grave, c'est pas très grave, honnêtement. Mais au moins on aura une avance pour l'eau. Parce que c'est vrai qu'on a puisé tellement dans nos ressources d'eau qu'on a quasiment plus rien. Comme ça. Voilà. Très bien, très très bien. Et ben du coup, ben on peut rien faire. Je vais voir s'il y a peut-être du bois quelque part. Si on a un peu de temps à perdre. Le problème, c'est qu'il y a un loup qui se balade. Donc ça, honnêtement, ça me fait un peu chier. Je voudrais bien casser le bois, là. On va y aller. J'espère qu'il est parti, ce con. Il y a plein de petits bouts de bois. Regarde s'il est pas là. J'ai pas l'impression. Je crois que la tempête l'a fait fuir en fait. Je pense que c'est ça. Ouais, j'ai envie de casser ça moi. Je pense qu'on est safe. Je sais pas. Je sais pas. Je pense qu'on est safe. J'ai envie de casser ce truc là. On va aller se réchauffer. Et si jamais il fait encore beau, hein, on essaye. On va se réchauffer, on va faire du feu, on va revenir, on se réchauffe, etc. Et après on... on va voir si on peut pas casser le bois. On fait voir 3, 4 heures, 17 minutes fondu. Très bien, on fait voir le... ça. Ah, très bien.
Faire attention aux allumettes aussi. Si jamais on craque des allumettes par erreur parce qu'on a mal ciblé, ça c'est dangereux. Je sais que j'en avais déjà parlé, on m'a dit ouais, le mieux c'est de balancer tes allumettes, c'est vrai. C'est vrai que... à faire ça, le mieux ce serait de balancer les allumettes pour éviter les conneries. Mais après, faudrait penser à énormément de choses. Genre, tu déposes tes allumettes, après il faut les reprendre. Ça peut être un peu chiant des fois. Voir si vous êtes comme moi, vous n'avez pas de mémoire. J'ai peur que temps se dégrade. C'est quoi? C'est mes pas ça? C'est mes pas. Yes, let's go, let's go. Oh la vache. Oh, c'était chaud. On est passé à moins 15. Ça va. Qu'est-ce que... C'est moi ou vous voyez ça? La lampe elle brille. C'est bizarre. J'ai jamais vu ça. Non, on la voit pas là. Bizarre. Ok. Donc on a récupéré 3 gros morceaux de bois. Donc c'est bien. Et des petits bois. Très bien. Je pense qu'on va tanguer. Je suis quasiment sûr qu'on va commencer à tanguer avant de finir toute l'eau. Bon, par contre, je vois rien, donc je vais juste poser l'eau sur le sol. On va d'abord la boire et après je vais juste poser l'eau sur le sol. Faut qu'on patiente 2 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant 2 heures? Ah ouais, merde, faut qu'on... Non, faut vraiment qu'on patiente 2 heures en plus. Oh mon dieu. On va remonter. Je suis désolé, j'aime pas vraiment jouer dans le noir comme ça. C'est pas vraiment intéressant. Patienter 2 heures. Ça va. On va refaire du feu. Ça nous fait double utilité, c'est bien. C'est quand même bien ce système. Hein. C'est vrai qu'on n'y pense pas. On n'y pense pas, mais... C'est trop devant de ce côté. On a du vent aussi. Genre là. Par contre, est-ce que je vais pouvoir passer? Ouais, on a toujours beaucoup. Je pense qu'on peut. On va voir. Je pense qu'on peut... J'espère que j'ai rien fait de... Parce que je suis allé vite, en fait. Mais ça... À chaque fois que vous passez une porte, ça sauvegarde. Pensez à ça aussi. Donc ça met un petit lag. J'espère que j'ai
pas fait de conneries. Non, normalement, non. Bah, ça se verrait de toute façon si je fais une connerie. Fondu, ouais, c'est bon. Hop là, on est reparti. Donc on sort par l'arrière. Et on se déplace sur le côté gauche. En théorie, c'est bon. Et ça, c'est à combien de pourcents? 72, ça va. Parce que ça aussi, on pourrait l'utiliser. On sortira. Après, pour faire plus vite, on pourrait faire plein de petits feux partout. Mais le problème, c'est que ça va être très moche. Déjà, on a trois feux qui sont autour de la cabane. C'est pas super joli, mais bon, ça se voit pas vraiment. Celui-là, il est dans le coin, ça se voit pas. L'autre, il est à côté. C'est pas... ça va. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'on attende que, ça... que celui-là s'éteigne. Donc, il faut attendre à chaque fois 6 minutes, par exemple. On a un là, et on a un troisième en face. Ça va, c'est pas très moche. On en a un avec plein de calories. Non, c'est tous 805. Je crois. Si on retombe malade, par contre, je pense qu'il y a moyen que je m'énerve. Il y a moyen que je m'énerve. Fondu dans 5 minutes. Ça marche. Ça marche, ça marche. Fondu dans 5 minutes. Alors. On va faire ça. Ça nous fait un petit bâton. Et je crois qu'il nous manque, c'est des fagotins. Alors, je crois que on a des livres. Pile de papier, très bien. Voilà. Voilà, donc 40 minutes. Très bien. On va retourner faire un feu. Et après, donc, on va boire la tisane. Ouais, on va le faire. On va boire la tisane, manger une viande de loup, dormir le plus longtemps possible. J'espère qu'avec la tisane, on sera... On sera à combien ? Je dirais 60% de vie. J'espère, j'espère au moins. Au moins 60%. Quoi qu'attendez, je suis en train de me réfléchir. C'est un régène ou c'est pour... Je me rappelle plus. J'ai un doute maintenant. Est-ce que c'est un régène de vie ou c'est pour récupérer de la vie quand tu dors? Merde. Non, ça n'existe pas les régènes de vie dans le jeu. Non, non, c'est... Je perds la tête. Je perds complètement la tête. Non, c'est peut-être un régène de vie, en fait. Mince, c'est un régène de vie ou pas? Ça fait quoi, déjà? Putain, je me suis mis un doute moi-même, quoi. Oh, mon dieu. Il y en a plein. Je suis sûr que quand vous êtes en train de regarder ça, il y en a plein qui vont dire « Non, mais c'est un régène de vie, ça sert à rien de le boire pendant que tu dors. » Ou alors c'est complètement l'inverse. Non mais c'est pas un régène de vie, il faut que tu le boives avant de dormir. Je crois que c'est un régène de vie en fait. Je sais qu'on l'a utilisé une fois. Et je l'avais découvert. Je crois que c'est un régène. Buvez-le pour que votre état s'améliore progressivement. Ouais, c'est un régène. Mais la question est-ce que ça marche pendant que tu dors? Ah ah. Ça c'est une bonne question. Est-ce que ça fonctionne pendant que tu dors? Je
J'entends aucune réponse, donc je sais pas. On va aller refaire un feu et puis après on a fini. C'est la question. Est-ce que ça marche pendant qu'on dort? Parce que là, ça serait vraiment bien. Du coup. Ça serait vraiment cool. On récupérait plein de vie. Je pense qu'on va le boire, juste comme ça. Juste au cas. On verra si ça. On verra le nombre de vie qu'on récupère. On verra ça. Faut qu'on récupère le charbon aussi qu'on a. Parce qu'avec tous les feux qu'on a fait là. Enfin pas celui-là parce que celui-là il va être encore allumé, mais celui-là à l'avant. À la limite. Quoique on en a pas vraiment besoin. Mais... Non, on en a pas fait assez. On n'a pas fait de gros feux qui a duré assez pour faire du charbon. Donc ça va. Où est-ce que je suis? Ah oui, je suis à l'arrière. Je rentre. Où est-ce qu'on est? C'est la première fois que je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ok, cool. Ok, 2 minutes. Parfait. Ah, yes. On a encore une torche. On va poser l'eau. Enfin, quoique, on n'a pas besoin de là-bas. On va mettre l'eau ici. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Ok, très bien. Donc on va manger ça. On va d'abord prendre la tisane, on va manger, on va boire et on est bon. On va regarder si on n'a pas des trucs à faire. On a des fagotins. Est-ce qu'on aurait... Je vois rien du tout. Lampe en métal. Ah oui, oui. Livre. Ah. Je peux faire des fagotins avec ça? Non. Ah, j'étais sûr qu'on pouvait faire... Je sais pas. Je dois être fou. Je pensais qu'on pouvait faire des fagotins avec... Avec des livres, tout simple. Bon, c'est pas grave. Ah, pile de papier. Ah, merde. Pile de papier, elle était où? J'avais une pile de papier ici. Trouve la pile de papier dans le noir. C'est aussi drôle que trouver une aiguille dans une botte de foin. Deux fois. Oh, putain. Elle est où, la pile de papier? Pile de papier, s'il te plaît. Viens ici. Viens ici. Ah, j'ai trouvé. Oh, merde. C'est le tiroir. Où est la pile de papier? Ah bon, hey, vous aimez ce gameplay intense? Trouve la pile de papier dans le noir. Ah ouais, elle est où? Elle est à droite, elle est à gauche? Elle est peut-être en haut, elle est peut-être en bas. T'es peut-être tout à côté, ou t'es peut-être à l'opposé, hein, tu sais pas. Elle est où la pile? Et merde, voilà. Elle est là, la pile. Bref. Voilà. Il est là, le fagotin. Il fait comme ça. Il est nul, ce jeu. Il est chiant, on voit rien, il est tout noir. On va faire ça. Donc, on va prendre la tisane. Ce serait très con que ça marche pas quand tu dors. Honnêtement, ce serait ultra con que ça marche pas quand tu dors. Amélioration d'état. C'est joli, j'adore ces petites émotes comme ça. Amélioration d'état s'améliore progressivement. C'est quoi que c'est peut-être pour une heure? Tu vois un peu la vie? Est-ce qu'elle bouge beaucoup?
D'accord, la vie ne... J'ai pas l'impression que la vie bouge, hein. Je veux pas dire, mais... Je sais pas, mais j'ai pas l'impression que la vie bouge bien. Attends, si je fais ça... Ah merde, la souris, elle est revenue. Pendant 2 heures. Bon, c'est pas grave. Let's go. Let's go dormir. Alors. Ça. Ça. Oh putain, j'ai eu peur. Oui, c'est normal. C'est parti! Bah du coup on a bien travaillé, honnêtement on a bien bossé, on a récupéré plein d'eau, honnêtement ça va, c'est cool. On a fait du très bon, c'est parti. Et demain on va voir un peu notre état de santé, et sinon bah on s'attaquera à l'ours. Sinon je sais pas trop, mais faut qu'on fasse l'ours quand même un peu. Parce que l'ours on va récupérer de la viande, surtout les boyaux, c'est surtout les boyaux dans un sens que j'ai envie maintenant. On verra ça, let's go.